Quel est l'objectif de cette réforme, dont je vous rappelle qu'elle a été demandée par le FMI, à l'époque présidée par un socialiste désormais célèbre, en 2010, parce que le FMI estimait qu'il fallait que nous baissions les charges sur les salaires et que nous les transférions sur la consommation pour créer de l'emploi. Alors cette réforme, nous estimons qu'elle va créer entre 75 et 120 000 emplois. Pourquoi ? Parce que nous allons baisser le coût du travail. Je vais, mes chers collègues, mettre aux voix le projet de loi. Chacun regagne sa place. L'Assemblée a adopté.